Les cafés à maman. Bonjour. Matin la gang, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 6h42 et on est dimanche le 17. 7. Là, c'est l'heure de jouer le calendrier. Alors. Le numéro 17. Ah, oh, une boule bleue. Yeah, elle est bleue. Oui. On va la mettre de côté. Non, tu lui mets dans le dos. Il dit mal au dos. Hey, perfect. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. Mais mieux que moi. Non, moi je vais bien. C'est une patinoire. Une patinoire. Bien. Il pleut. C'est une patinoire. J'étais obligée de mettre du sel en sortant. Là, on est tout tremble, on fait de la buée dans la voiture. Il pleut au coton, c'est comme de la pluie verglaçante. J'ai simplement mes bottes d'hiver, j'ai pas de crampons. Je t'avais de me péter la marboulette. Là, je m'en vais porter la petite à la garderie. Je reviens à la maison, j'ai pas l'horaire. De toute manière, il faut installer le siège à l'horaire dans la voiture. Parce que jeudi passé, papa l'a enlevé. Pour aller porter à ma belle-mère et les filles. Une chance qu'on a nos bulles d'hiver. Ça aurait pas été une belle journée pour mon chien de faire travailler en vélo. Ça aurait été dégueulasse. Je sais bien qu'il prend moitié autobus, moitié vélo. Mais pareil, là. Fait que c'est ça la gang ce matin. Bon matin à tous. Les mains. Ma maman elle a dit qu'elle avait mis un bol dedans, mais je ne l'ai pas trouvé, son bol. Mais au moins, sur l'asphalte ici, c'est ça asphalte. Il passe assez pour mettre... C'est sans compter des problèmes d'Internet qu'on a à la maison en ce moment. La compagnie dit « Ah non, non, tout va bien de notre côté. C'est vous le problème. » Dans le fond, on a la connexion qui part, qui revient, qui part, qui revient. Ça, sur l'ordinateur, sur l'application CCAP. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me sens pas tant fatiguée que ça. Dans le fond, je me suis réveillée à 2-3 heures du matin. Mon chum, il avait chaud, il avait froid, il faisait de la fièvre et il est en train d'attraper un rhume. Je pense qu'on est tout en train de tomber malade. Vive les virus, la garderie et les virus de l'hiver. Yopidoupidou. Puis là, Laura s'est réveillée à 3 heures. Non, 2 heures. J'ai donné un petit boire. Puis on commence à être en pénurie de lait en poudre. Acheté tantôt. Là, ben, j'ai fouillé dans la maison pour aller chercher une pompe parce que mon chum est asthmatique. J'en ai trouvé une en bas. J'ai trouvé aussi mes petits tampons, mes pads d'allaitement réutilisables que je peux me servir pour ça ou de tampons démaquillants ou peu importe. Hier, en fait, je me suis couchée, il était 10h, même 9h30. À 9h, je suis allée dans le lit. J'ai fait un petit peu de montage hier soir, hier dans la journée. Hier, ça a été une popée journée, même si par moments, mais hier était intense dans son terrible tout. Mais samedi a été la pire des journées. À mon château, maman t'aime pareil, hein? Même si t'es un dimanche, là. C'est ça, mais je vous en reparlerai plus tard. J'ai blogué samedi, pareil. J'ai
j'ai pas vlogué hier, j'ai juste vlogué hier matin pour Casimini. J'ai vlogué hier matin, c'est tout pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Un matin, j'ai pas ouvert les calendriers devant la caméra. Ça compense pour hier. Je le mets pour le segment d'aujourd'hui. De toute façon, le calendrier de ma fille est capote. Là. Elle a tout ouvert les corps. Ben, elle a tout déchiré, mais c'est pas grave. Là. Je donne mon chocolat à moi, de mon calendrier à moi. Puis les jujubes, je les mets dans un petit plat à part. De toute manière, les jujubes sont quand même durs un peu. Ils sont pas tendres. Ils sont pas aussi tendres que Kenju. Je sais pas si c'est comme un restant de bonbons qu'ils ont pas été capables de vendre. Je sais pas quoi, mais... Fait que j'ai appelé un matin pour savoir mon rendez-vous chez Nature au lait est à quelle heure. Parce que je m'en souviens pas, j'aurais dû l'écrire sur le calendrier. D'habitude, c'est ce que je fais, je l'écris sur le calendrier. Comme là, il faut vraiment, 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 vraiment que je m'achète un calendrier planificateur familial pour mettre sur mon mur. Mais ça me tente pas de payer 30$ pour un planificateur. J'aime bien les planificateurs de Pomango. Pomingo. Pomango. Je les aime bien, mais on les retrouve au Costco moins cher. J'ai pas été au Costco encore, puis ça va aller après les fêtes ou pendant les Noël et jour de l'an. Puis c'est ça. Sinon, sur le site de Pomango, il est à 15,99$. Puis, je suis même pas capable d'utiliser ma carte de crédit Mastercard de récompense que j'ai gagnée sur Léo. C'est bien de l'acheter. J'ai eu la misère à l'activer puis tout. Fait que je suis même pas capable de l'utiliser. On dirait que sur la part des sites, ça marche pas. Comme là, ça fait un bout que je veux réactiver mon compte Patreon pour... écoutez la belle Alexandra Larouche. J'ai tout manqué les Vlogmas. J'ai oublié de réécouter. C'est un détail. Fait que je pense que je vais être obligée d'aller m'acheter une. Je pense que la carte Master Récompense, ça marche pas sur ce site-là. J'ai même essayé avec Tellement Mom, parce que Tellement Mom, elle coûte 7$, tandis que Alexandra Larouche coûte 11,50$. Fait que ça marche pas. Même sur Amazon. Ça veut pas marcher. Il y a une chose qui est sûre, c'est que prochainement, mon compte sur WeVideo va s'éteindre, se fermer parce que j'ai pas pu payer à temps ma carte de crédit. Fait que moi, je vous laisse, je vous reprends après.